Pritika, déjà un petit mot sur cette ambiance, jouer devant ton public ici à Hennebont dans une super salle. Bah, c'était extraordinaire de jouer devant le public français. On attendait ce match de préparation justement avec toute l'équipe pour voir ce que ça allait donner. Et franchement, bah, c'était une soirée top jusqu'au bout. La tension est montée au fur et à mesure, donc très contente. Deux matchs ce soir, un double, un simple, deux victoires. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bon, je pense que c'est plutôt positif. Justement, bah, le double, c'était important aussi de le gagner parce que bah, au jeu, c'est un peu le même système. On commence par le double, donc on l'avait pas mal travaillé avec Charlotte et là, on est contente de l'avoir gagné. Puis sur le simple, bah, j'ai joué justement une fille bah, sur laquelle où c'est, enfin, la rencontre est assez équilibrée. Et donc, bah, c'était intéressant de voir aussi à ce niveau-là si j'étais capable directement de répondre présente et bah, très contente de sortir vainqueur de ce match. Maintenant, on a un peu moins de 15 jours des Jeux. Toi, tu as déjà participé, mais tu étais très jeune. Mm-hmm. Et maintenant, c'est des Jeux à domicile pour toi, en plus, ouais. À Saint-Denis, le village olympique. Bah, c'est clair, faire mes deuxièmes Jeux, évidemment, ça représente beaucoup pour moi. Sachant que Tokyo, ce n'était pas forcément prévu, mais je sais que ça va être complètement différent là, à Paris, en Seine-Saint-Denis, d'où je viens. Je pense que j'aurai besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie pour réaliser des performances incroyables. Donc, bah, évidemment, j'attends avec impatience cet événement-là, avec bah, tout le public, cette ferveur bah, justement de notre pays, qui est un beau pays de sport. Et puis, voilà, jusqu'ici, on va continuer à bien se préparer pour être prête bah, le jour J. Top, merci beaucoup.